À 60 ans passés, Tova sait qu'elle fait partie d'une population dite à risque. Elle ne présente aucun symptôme du coronavirus, mais pour sa tranquillité d'esprit, son médecin lui a conseillé d'aller se faire dépister. Une démarche désormais simple, rapide, pratique et sûre, grâce à cette cabine mobile de dépistage, installée depuis quelques jours en plein cœur de Tel Aviv. C'est préférable comme ça, c'est très simple et pratique. C'était parfait. Je l'ai remercié de m'avoir testé. Celui que Tova a souhaité remercier, c'est Michael, kinésithérapeute de profession, reconverti depuis peu dans le dépistage de masse du coronavirus. Il faut que je relie le numéro d'examen à ce numéro d'identité. Ah, ok. Bon, t'as allé. Yoel ? C'est bon, tout est bon, l'ordonnance est déjà là. Donc on commence l'examen. Je prends un espèce de coton-tige, comme celui-ci. Hop. Et je me balade un petit peu dans la gorge, au fond. C'est pas très agréable, mais c'est très rapide. Et c'est fait. Une fois que c'est fait ça, en quelques secondes, je mets l'échantillon dans le tube. On casse pour pas avoir à mettre tout de l'intérieur. Va ta meshuchar. Bidoud à la tozot. 24 heures tozot. Michael n'a pas besoin de plus de 3 minutes par patient pour réaliser les prélèvements nécessaires. Dans sa cabine climatisée, il n'a pas besoin non plus d'équipement de protection spécifique. Cette paroi vitrée et ses énormes gants en caoutchouc le protègent complètement. Et puis, à l'aide d'un bouton, il peut aussi désinfecter l'extérieur de la cabine. C'est vraiment super cette cabine, c'est très pratique. Cette cabine est en effet unique au monde, selon le docteur Daniel Kuhn, un des concepteurs de ce projet. Avec le début du déconfinement, il se peut très bien que nous allons avoir de nouveaux patients malades du coronavirus. Nous avons donc compris que nous avions besoin d'une installation simple dans le but de faire le plus de dépistage possible. Nous ne pouvons pas nous permettre d'arriver à une situation dans laquelle nous avons un trop grand nombre de malades, car les hôpitaux ne pourront pas faire face, ce qui est vrai pour tous les pays touchés, pas seulement Israël. Dès la semaine prochaine, d'autres cabines de ce type seront prête à être installée un peu partout. Cette cabine de dépistage 100% stérile peut permettre la réalisation de plus de 1000 tests par jour. Certains pays ont déjà manifesté leur intérêt pour cette invention.